Namboka. Bonjour Ndeko, journaliste. Merci beaucoup Namboka, pour votre participation à la DXC News. Moi, je suis un peu de la République démocratique du Congo. Avant, je voudrais bien savoir la santé politique de la République démocratique du Congo. Non, la santé politique et la démocratie du Congo est bien. Je suis comme on est là. Mais en coulisses, il y a beaucoup de mauvaises choses dans le Congo du fait que tout est à refaire au Congo. Au Congo, tout est à recommencer. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Mais il faut moins que ça, les réformes en tout et pour tout. Ndenge mwana mboka otozwenga le sénateur a vu Joseph Kabekabanga tira mboka na chantier. Comme il parlait de 5 chantiers, mais 5 chantiers, ça a 5 T. Nyons au Congo, c'est un chantier. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, nyons c'est un chantier. Et tous les chantiers, il faut réformer et mettre en pratique pour reconstruire tous ces chantiers-là que mwana mboka va s'appeler. Tu as l'équipe de souvent en boucle à faire d'autres ce qu'il dit, avant qu'il consolide ou bien tout consolider des acquis. Mais cela veut dire qu'il n'y a pas des acquis aussi. Non, non, mais parce qu'il m'boque et Zara n'a gouffre. Gouffre et Zara n'a m'noko à l'ingé à français, mais n'a m'noko à l'opoto, mais n'a l'ingé les autres que Tozaka n'a katia l'ifelo. Congo, Tobanda, qu'on vivre n'a l'ifelo. N'denge Michel Moko à Emba que non. Le système a fait le mot de Zopel, mais tous les cicatés. Effectivement, tous les cicatés ont fait le Congo. Avant l'indépendance, était égal après l'indépendance. Période de la colonisateur, on a fait le cas de Bissau, de Maboko, de l'Équateur, pour la production de caoutchouc et de consorts. Mais Mundela a changé le système. Il y a esclavagisme en modernisant. On était toujours des esclaves à Mundela. Tout était limité. Instruction, nous, il y a des gens qui font ça, il faut il y a des gens qui ont créé un fonds monétaire international, banque mondiale, ils ont fait ça, soit aide. Mais en espèce, ils ont fait ça, service. Ils ont fait ça, service ont fait ça, pour accompagner les gens qui ont fait ça, ils ont fait avec leur projet. Quand toi tu es un gestionnaire yamboka comme un président, tu as pris l'argent. C'est ça ce qui tue. Moi, je suis en Ukraine. À côté Ukraine, na banyongo ebele. Zelensky. À côté Ukraine, na banyongo ebele. Oyo solution ko zwa malobi na lobi mususu na te. Il signe seulement sur le papier. L'argent sort dans ligne formelle et c'est fini côté informel. Il n'y a pas de part de la population et les choses tournent pour l'intérêt occident. Il y a un monde même en France, ça marche pour que la guerre continue. Macron, il veut toujours qu'il a profité. C'est comme ça qu'il va président occidental. Bazana salaire, koni, bazana ba prime, koni. Mais après mandat, il sort des milliardaires. Comment? C'est sur le dos de la guerre, sur le dos du président africain. C'est là où nous disons que non, notre situation, il y a santé, il y a mboka, et ça bien été. Il faut tout le monde à esclavagisme. Non, en fait, notre pays est malade pour l'instant. Le pays est malade. Sur tous les domaines. Sur tous les domaines. Et surtout, la guerre au monde l'a imposé sur l'Est. C'est cette guerre-là qui a facilité. Parce que la guerre, c'est une très mauvaise chose dans le monde. C'est cette guerre-là qui a neutralisé le Congo, dans le secteur. Merci beaucoup, Namboka. Guerre depuis 1996 jusqu'à maintenant, et on continue toujours, Namboka. Tout le monde qui est aussi sorti médiatique, il y a notre présent aussi africain, Paul Kagame. On va essayer d'écouter des propos très un peu choquants vis-à-vis à République démocratique du Congo. Je pense tant on veut quitter en retard la partie commune partout dans les réseaux sociaux. Comment vous avez senti cette dure, tout cette à propos et à mon amour africain Paul Kagame? C'est là qu'on est dans la boucle. Bon, ça ne peut pas me faire m'inquiéter. Je ne peux pas être inquiet sur dire à Paul Kagame parce que ce n'est pas Kagame qui parle. Kagame parle à raison des causes. Kagame, tout ce qu'il est en train de faire, aïe, faiblesse, il y a homme occident.
tous les présidents occidentaux, Bazaka Simakaga, Mbangonde Batindaki Kagame, Asala, crime aux osos dans la RDC, crime économique, crime contre l'humanité. Bazaraki, maintenant, sont plus. C'est jusqu'aujourd'hui. Maintenant, il y avait une petite équipe de dirigeants, Obama, le Bakébaza, va décider, Nde Bazaka Simapol Kagame. Maintenant, Bamoussou, Obabanda Kotel, Makamwana Namusika, ils ont eu maintenant l'occasion de Kokote Pena Masolo. C'est grâce à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo. Quand on parle sur sa diplomatie gagnante, et apparente et active, parce qu'il a même toutes les vérités auprès de l'Occident, et même les pays africains, c'est là où maintenant Kagame se voit que du jour au jour, ils ont perdu le contrôle. Il y a situation, il y a guerre au Congo. Du jour au jour, ils ont perdu le contrôle. Il y a un ami, un homologue président africain, parce que comme côté de par rapport à l'acte, il y a Mabé, il y a un génocide à Zosala, sur le dictat, il y a homme occident. Mais président, je ne veux pas vous laisser vraiment dire à propos. Quand vous dites que la diplomatie est agissante, il y a mon amour avec ce qui est. Ça a ramené quoi dans notre pays, mon amour? Surtout que sur le plan économique, Tshisekedi a fait beaucoup de tournées dans le monde où zéro invertisseur ou invertisseur dans la République. Tu dis comment je pense que vous êtes conscient aussi. Sur le plan guerre, il a dénoncé le Rwanda dans toutes les tribunes internationales. Zéro résultat. C'est ça qu'il faut d'appeler la diplomatie agissante de mon amour à Félix Antoine Tshisekedi. Bon, quand je te parle sur la diplomatie agissante et gagnante et active, c'est en raison de cause. Et regardez, derrière Moko, Oyo, Maréchal Mobutu, à Tika et Salema, les agents prennent pillage. Il avait reconnu après que c'était l'erreur. Pillage, il y a 91-92, période à Maréchal Mobutu, il y avait plusieurs sociétés, plusieurs investisseurs, awa. Mais Ero Basala, Zarianisation. Par Maréchal Mobutu. C'était commencement à la chute de Mboka Nabiso. À l'époque, Héroïo Tolongwana, soi-disant indépendance, il y a Belge, Héroïo Mobutu à Salaka, Mboka Nabiso, il y a Zaïre. Un Zaïre faisait 3 dollars. Pourquoi? Parce qu'on avait une partie à monopole à minerai. Auparavant, la production à Jekamine avec Miba, n'est pas d'accord faire fonctionner Mboka Nabiso. Maintenant, tout ce qu'on avait comme production à Jekamine, c'est là où notre économie a chuté. Tout ce qu'on avait comme production à Miba, et banda aucun n'est pas mondele. Miba, koufa, ba créa ba souci, ba sa sim, na ba société moussousou pour les Occidentaux. La Miba n'existe pas. Ça fait des années. Quand l'AFDL est venu, mondele a profité pour faire signer mouze ba accord, il y a occupation sur l'exploitation de la minerai Nabiso. C'est là où les pays étaient déjà partis. Tous les mandats d'AFDL jusqu'en 2018, on n'avait pas un pays. Lobby lobby a bauté que ça la harmonisation ou bien avenant il y a si comme un contrat au Yamin au Joseph Fatiga. Mais le pays doit gagner au-delà de 15 milliards de dollars. Mais auparavant, bon, on a vendu au Kimbap. C'était dans les poches des Occidentaux avec quelques dirigeants complices Nakata Masolo. C'est là où l'économie va un peu remonter. Et notre économie est extravertie. Nous dépendons que de l'extérieur. Quand on dépend de l'extérieur, tout est importé. On importe tout. On n'a pas 4, 5, 6 grands hommes d'affaires au Congo, au Yabisoba Congolais, Nakata Masolo na Congo. Tous les commerçants que vous voyez, c'est... il n'y a que des expatriés. Bah, supermarché, il n'y a que des expatriés. Bah, banque, il n'y a que des expatriés. On a mais, secteur. Mais c'est ce que dit à l'Oba qui a rencontré les Congolais. J'arrive. Secteur, il n'y a que des stabiliser l'économie macroéconomique. Quand on arrive à la loi, la demande et l'offre, ce sont des banques. C'est là où l'Occident, vous voyez que plusieurs en Europe, dans un système de carte bancaire, au cours de crédit dans la banque, avec des frais, il y a frais un peu réduits, il y a intérêt. Mais ici, chez nous,
Toutes nos banques que nous avons, il n'y a que des étrangers. Bah, Kenyan, bah, Togolais, bah, Nigérien, bah, Juif, bah, il n'y a que des étrangers, des bases en économie. Mais comment notre pays peut être boosté au niveau économique? On n'a pas notre économie à main. On avait celle banque Tosa Nango, on a fait ça Kadeko. Mais aujourd'hui, Kadeko est quoi? C'est là où le plus grand problème que notre pays est en dessous de la moyenne. Il faut que son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo va relever le défi. Donc, comme on a une banque, on a Congolais, quand il y a besoin d'aller chercher les crédits dans notre banque, et frais, il y a intérêt à la mouquée, et ça va faciliter les nouveaux investisseurs, les jeunes entrepreneurs, comme Belém Mboka est à la stable, mon frère. Mais notre pays, nous dépendons que de l'extérieur. Non, non, des investisseurs, nous avons. Nous avons des vrais. Nous, non, non, il y a eu quelques investisseurs, Bayé. 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 Mais des mêmes investisseurs là dépendent de l'extérieur. Et toujours que multinational. Leur discours, c'est quoi? Quand tu vas investir au Congo, avec les principes, il y a son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tu viens, Fatih Betoy, Elouch Alema, qui est 50-50. Tu viens, Ozo, Zouapar Nayo, Bissopeto, Zouapar Nabisso. Un homme blanc n'aime pas ça. Et tu sais qu'il y avait des exonérations dans le pouvoir à 18 ans, à tous les niveaux. Biloko, il y a des expatriés, il y a des moyennes zéro, des exploités, et des quelque chose là. Expertise, il banda. Même quand on parle sur le contrat Léonet, ce que dit Amoulumba, Erez Mémoire a dénoncé, signé avec le pouvoir de 18 ans, avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. Tous nos minéraux, vous exploitez. Expertise, il banda. Même Moukoubo Yuma, au Azaka présent à FEC, qu'est-ce qu'il avait dit que Batu, ou baye pona achat à minéraux, baye nan bongote. Bah, il y a prêt à banque. Ils n'ont pas amené des espèces. C'est pour dire qu'on était esclavagisés économiquement, financièrement, politiquement. Et même la guerre de l'Est, ça nous a encore été imposé pour que Mboke Zalaka na gouffre tout ça na lifelo. C'est aujourd'hui et aujourd'hui, moi, na Mboka, Oyazo raisonné, Otoyebi Tata na ina mama na yazo bunda pour convaincre Bam Mindele Moussousou. Va comprendre que Mbok est à côté. Baya, combien de fois a Tamboli derrière le monsieur que nous parlons tout le temps, Bill Gates, Bill Gates. Mais c'est celui qui est patron. Il y a Makamboya, minéraux du sang, il y a coltan, il y a est. Mais quand on est allé le chercher pour dire qu'on gagne des colons minéraux, quand il y a besoin de coltan, c'est moi. Quand vous avez besoin de l'or, c'est moi. Quand nous avons besoin, vous avez besoin de castérite, si qu'on sort, naba pyrochlore, c'est moi. Malingi n'a été. Mais Malingi facilité, ce qui a yé. 50-50, le pays va se développer. Et quand le RDC développe, c'est que l'Occident va tomber. C'est ça la vraie réalité. Il y avait encore un président de l'Assemblée nationale, il y a Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. C'était 2011-2012 à Yakaouna Congo. Il avait dit clairement que nous, notre pays, Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire face avec RDC. Les jours où RDC a causé un président responsable, ce qui RDC décolle, c'est que c'est l'Afrique qui décolle. Parce que RDC regorge 70%. Il y a ressources, il y a monde. Minéraux, nous, il y a monde. RDC, ça en a 70%. Quand on parle de diamants, on parle de l'or, on parle de castérite, on parle de pyrochlore, on parle de coltan, on parle. Quels sont les minéraux que nous n'avons pas ici? Nous avons tout ici. Nous avons même des eaux douces. Aujourd'hui, quand je te parle, avec les changements climatiques, plusieurs pays se cherchent ces bandits. Mais awa tozanaba, lakebele, tozanaba, bakalamu, ezabele, basource, bele, nous avons plusieurs sortes de yabamai au Congo. Mais Zamba Oyo, Zamba Nabiso bassin du Congo avec notre forêt équatoriale, c'est ça ce qui fait fonctionner le monde avec carbone, depuis que même Amazonie. Mais Mundele n'aime pas nous donner l'argent pour le gaz carbonique. Ils ont fait fonctionner le monde. Que si on donne l'argent, même la COP27,
Ils avaient dit que non, ils vont débloquer, si c'est 15 milliards, 20 milliards pour l'RDC. Jusqu'à aujourd'hui, pas même un rond. C'est la mauvaise foi. Les temps nous sont en train de se lamenter avec les Occidentaux. Pourquoi parler de tourner le dos à l'Occidentaux pour aller même à la communiste et mon avocat? Oui, mais avant d'y aller là-bas, aller voir les communistes, voir Poutine, des Chinois, Le Brésil aussi. Brésil. avec Brésil, n'importe qui n'a brist. Oui. Il faut d'abord que tu abattes ton contre-mire. Kokende na bango, kolakse bango, maye, oyo yamabe bazo sala, ke lobi lobi, balobateke, bobisa ki sote. Parce que tu sais qu'en Afrique, pour accéder à la présence de la plus gouvernement, magistrature suprême, il faut un appui à mon aile, Occident. Mais aujourd'hui, on peut passer que côté en Afrique. Vous avez dit ce que dit pas une après-midi. Mais je te dis, mais je dis vrai. À l'époque, même ces sphinx, c'était ce que nous disait que non, quand les décideurs ont dit, quand les décideurs ont dit, tout passait toujours par l'Occident. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ils avaient dit la fois passée ici, quand il avait fait la coalition, fait ses sécages, il avait dit clairement que Nami Komisaki Zoba, Nami Kitsaki, mais j'étais humilié. Et qui y avait fait que non, FCC a un cash, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a un Kabila, on a intérêt en Boka. Il y avait toujours des Occidents. Mais c'est aujourd'hui, bien à autre cause, au pouvoir, ce qu'on a beaucoup naïe, où le peuple est moqué, apprécié comme souverain primaire, les dons changent. Il commence maintenant à dire 50-50, maintenant il peut s'imposer différemment avec le premier mandat. Merci beaucoup, mon avocat. Vous avez permis un peu moi de prédire direct, mon avocat. Mon avocat, il sait qu'il te reconnaît que moi, je suis difficile à poser que dans le premier mandat. Maintenant, le deuxième mandat, c'est comme si il n'a même pas. Ça va peut-être risquer que mon avocat, il sait qu'il a son mandat sans pour autant à utiliser en pratique, si le goût du peuple d'abord, pour poser là vraiment. Vous avez dit vraiment, parmi les devoirs manger, la République du Congo. Non, non, je suis sûr que premier mandat, Ezaki Oi Sphinx, c'est ce que nous avons l'impression que tu ressens la transition dans beaucoup sans Kabila. Oui. Je l'avais dit, vous êtes considéré pas mal, c'était une transition. Maintenant, c'est la première mandat des Angolais. Mandat est gossé des bandits. Angolais. Mais je te dis vrai. Non, non, je te dis vrai. Pourquoi Nazor Baboye? Premier mandat, il y avait plusieurs ambiscades des Akébélé. Il y avait ombre, il y a sénateur à vie à tous les niveaux. T'as l'exemple. Mais qu'est-ce que c'est l'intérêt à vie Non, à non, mais je voir? te fais voir. Mais moi, que Zaki hypothéqué, quand Mouzé a finalement co-déclaré pour dire que non, j'étais accompagné par le conglomérat des aventuriers. Moi, que Zaki hypothéqué. Moi, que c'était quand même depuis Kala. Quand son excellent Félix Antoine Tshisekedi dans le but que Mbokoyo et l'Okokutwa, Moke Koufa Kala, bah, tu comprends. Il y avait déjà des accords au Mundele à Zouambokoyo en otage. Tout était déjà parti. Il faut commencer maintenant, il y a Kolinga pour récupérer. Et là, Moko, il n'est pas ma Congolais. Et Moussala, Oyo Afdel Asaki, c'était faciliter l'occupation. Aujourd'hui, dans l'armée, dans le service de sécurité, dans l'institution, dans l'institution, même dans la banque, même ce qu'on a dans FPI, même ce qu'on a dans BG, tu vas trouver toujours des étrangers là-bas, des Rwandais, des Tanzaniens, ce qu'on a même dans le ministère, il y a défense, tu vas trouver des civils là-bas. Des Rwandaises, des Burundais. Il n'y a pas encore longtemps, nos services ont mis la main sur une dame, adjudant-chef. Maintenant, quand il y a des gemmes, Moussa Zakinini, facilité, intégration, mixage, brassage, non. Espionnage, il y a Mabélé Nabissau Congo. C'est pour dire qu'on était infiltré jusqu'à la moelle épinière. Et pour que dénicher Makambane, ça ne sera pas dans un jour. Ça ne sera pas, ça ne sera pas dans un mois. Nous avons plusieurs officiers généraux nommés par recommandation à Paul Kagame. Il a leur numéro. Ce qui est dans l'Est, quand tu pars là-bas, il faut oser aller dans l'ordre à Paul Kagame. C'est lui qui nommait et qui donnait de mise en place. Qui connaissait ça? Quand on a vu les voyants militaires Mounani Mamadou Ndala, pourquoi on l'a tué? Parce qu'il n'avait pas voulu suivre les injonctions qui venaient de l'axe du mal. Lui voyait libérer sa terre promise, Konyata Banyangalakata, avec les militaires qu'il avait. M23 n'existe pas.
La guerre là que tu sens, la guerre à l'Est M23, M23 n'a jamais existé. Ce qui existe à l'Est, ça va, c'est l'armée rwandaise. Le M23, c'est égal à l'armée rwandaise. Mais CNDP, M23, RCD Goma, AFDEL, c'est l'armée rwandaise. Il y avait des fusions de mercenaires, des Rwandais, des Burundais, des Tanzaniens, des Ougandais. Ce sont eux qui nous commandaient à l'Est. L'Est était déjà parti. Mais maintenant, est-ce parti officiellement sur les accords, sur les papiers? Mais parti ce qu'on dit, il y avait maintenant l'infiltration à tous les niveaux. Mais qui sera la suite actuellement sur le contre-parti de Ténégué contre Ténégué et dialogue qui déjà à la voie de téléchargement et qui met au côté de Kagame, il est en train de s'entêter. Il va agrandir aussi les conditions pour que la paix règne au niveau de l'Est. Non, non, mais Kagame s'entête parce que tu sais que le pays Mingya, Oyo, des pays militrophes, des pays qui nous entourent, leur économie, c'est grâce au Congo. Économie, il y a Rwanda, c'est RDC. Économie, il y a Ouganda. Comment Ouganda, Bilanga, Kakao, ils ont connu. Mais Ouganda sort les pays producteurs à cacao. Cacao, on est au Takao. Mais au Rwanda, moi j'étais à l'Est. Au Rwanda, il n'y a pas même un petit goutte à minerai. Mais Kagame, toutes ces années-ci, sortait les premiers producteurs à coltan avec or. Or, on a bandé au Kotoapi. La France n'a pas les mines d'or en France. Mais la France sort deuxième, bien troisième producteur à or dans le monde. Et où t'as quoi? Les autres, en Mali, après, na est à RDC. C'est pour dire que RDC, Zaki, Neti, Ngombe, Oezanaba, Miliki, Nabamafute, Bele, tout le monde avait toujours droit de venir si c'est là-bas. La plupart des pays limitrophes ici, leur économie, c'est RDC. Mais Bissosko, Colombo, Tomandako, Koufa, Tongo, Midipo, leur objectif, c'était quoi? Babo, même tous les Congolais. Na, Ngaï, Na, Bino, Bissonio, Stokouf, Bango, Mokoba, Kokipe, Mbok. C'est comme ça qu'il y avait toujours plusieurs Zogonombo, République des volcans, et Banyamulenge, et tout ça. C'était déjà un plan de balkanisation. Où Lumumba dénonçant, au maréchal Mobutu, et Kolobela, Nde, nous avons appelé ce son Mawa, comme dit le Congolais, appelé ce son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Comme il comprenait déjà le système des jeux, comment Lumumba a vécu, comment passage à Mobutu, et il veut maintenant contourner Makamwana avec intelligence et sagesse. C'est la diplomatie apparente, gagnante et active pour tout comme une solution et encore libérer Mbona. Sinon, on n'avait pas le pays. On était déjà des esclaves avant l'esclavagisme et c'était encore. Après l'indépendance, c'était l'esclavagisme toujours modernisé par Mundele et ça continue toujours. Alors, Boka, avant d'acheter une carte interview dans Mkwalelo, comme vous dites que vous êtes en train de faire IDPS, alors ça, la première mandat naïe, fixer ça, la première mandat naïe, vous faites allusion à quoi? Parce que les gens ils sont en train d'entendre dans 4 ans ici, fixer Kedi a dévoilé son dauphin. Et vous êtes en train de dire que vous êtes en train de prendre un mandat et que vous avez un projet sous vous modifier la constitution et comme mandat, je ne sais pas, 3 ans, comment dirais-je, 3 mandats ou comment? Mais qu'est-ce que tu parles de constitution? Qu'est-ce que tu me parles de constitution? Mais il faut respecter la constitution. Quelle constitution que nous avons d'abord? La constitution que nous avons, ce n'est pas la nôtre. Ce n'est pas la nôtre, la constitution. La constitution, en tout cas, va imposer Bissot, la constitution, va belligérant. Que dit l'article 217? Que dit l'article 217? Non, non, oui. Mais le temps est arrivé maintenant. Le temps est arrivé. To fan de l'amour, on a besoin de ce monde congolais. To longo lango, ici. Mais j'ai dit ceci. Que dit l'article 217? Que dit l'article 54? Que dit l'article 51? Que dit l'article 4 à 5? Article 217 de Zorobake. En gros, RDC a coquille condima pour la kimie kota a perdre moins intégrité territoriale naïe. A perdre bon somme naïe pour kimie kota. Banal, ben, mille sous la constitution. Ce sont des Occidentaux. Ils nous ont piégés. C'est là où Kagame fait le gros dos, il fait sortir des ailes, il part n'importe quoi. C'est par rapport à la faiblesse. Oh yo, il y a. C'est ce n'est pas Kagame qui parle. C'est l'homme occident. Nous devons d'abord nous-mêmes nous prendre en charge. Comme c'est vrai que c'était que d'abord que prenons en charge. C'est le moment d'abord, toute France, d'abord, Massolon, d'abord, constitution à Bissot. Ne donne pas avantage aux Congolais. Talandenge, Matata, Atikaka, degré, l'homme Moko, Yamilembe, en 2011, 2012, 2013.
Oya pesa milembo e koma commune rurale. C'était déjà des manières à faciliter que non, comme il y a déjà des tribus minoritaires, il y a tribus wana e koki ko lunka indépendance bango. C'est là où tu étais déjà piégé makamba milembo avec soi-disant banyamulenge. Mais nous avons des problèmes ici à Obandekrepso Bayaka avec na Bayaka na banane. Na bateke. Mais pourquoi les teke ne se disent pas que non, non, on est agressé, nous dépendons, on nous demande aussi l'indépendance, il y a le terre teke. Les peuples kassayens, nakatanga kuna, sont en train d'être minimisés, tués, massacrés, tout ça, c'est comme ça. Pourquoi les kassayens aussi ne peuvent pas dire que non, bon, nous les kassayens, nous demandons aussi l'indépendance, il y a kassayens. Il y a que des banyamulenge qui sont au moins les tibis, tribus moko minoritaires, tout ça. Tout ça, ce sont des manigances que ceux qui cabent au Pessi, ceux qui sont excellents, ceux qui sont en train de tirer, tu le vois. Andima, degré loi Oya Milemboana, c'était déjà un débit. Mais débit à commencement à la balkanisation officielle. Est-ce qu'on est n'y a qu'un? Parce qu'il y a des accords Oya, les maires, au musée, à reconnaître Taka, pour dire qu'il était accompagné par les Congolais des aventuriers au bassin à 300 km. Pour dire que Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema avec Tanganyika, Kalemi, ils ont la disposition à Rwanda. Armin, Nabango, va créer police Nabango, Bango, pas de connomer même des chefs traditionnels, d'administrateurs des territoires, Bango, pas nommé. C'est pour dire que là, d'abord, à l'Est, nous avons ce qu'on appelle des Mwami. Des Mwami, ce sont des pouvoirs ancestrales. Mais c'est quoi des pouvoirs ancestrales, c'est que les Rwandais, comment est-ce qu'on connomme les Mwami Moussousou, pour que Bazoua, comme les autochtones. Mais ça ne se fait pas. On sait qu'on n'avait pas un pays. Le pays était déjà parti. C'est grâce à son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'on a le courage, il y a qu'on dénonçait comment on a vraiment que non, on n'avait pas un pays. Même nos frères de l'Est, de Nandé, Bango Koutoune, Baza, tellement marginalisé. Il a proposé Bango combien de fois que Bondi Maké, Bolongwa, na domination, il y a gouvernement central, Topé Sibino, ba passeport rouge, Bobando Kende, Schengen sans visa, c'est comme ça. Mais ils ont refusé. C'est laissé les tribus au et Télémela. Makambobuzo, ba Est, par rapport à ma tribu Moussousou. C'est pour dire que Est, Oana, on parlait que Tozana Est, parle non. Mais on était déjà esclavagisés. Le pays était déjà parti, on était des prisonniers à ciel ouvert. Ni tété son excellence, celui qui s'en prend, c'est Trump. Mais le Makambo n'engaye, banate. Merci beaucoup, Ramboka. Tout le monde est venu à la soirée par rapport à une vie de Kinshasa. Je vais vous donner un profil de la vie de Kinshasa et mériter Ramboka Mamianani. Non, à l'instant, tous ces temps que nous avons traversés avec le pouvoir des 18 ans, ville-province de Kinshasa n'a jamais été gérée. Exemple, Moko, il y avait un gouverneur Moko à Kenda, côté à Campus Kona, à Kindele, à Monaké, région Moko et à Munene. Alors, Moko est comme on aussi longtemps que Tozana Mai, Tozana Zelo, Tozana Mabanga Ofele, Tozana Koudron Ezawa, Tozana Zelo. Parce qu'avec Moko, on a pu Toko, Toko, le bel Koudron, Tezaka, bah béton. Il y a un des topes, c'est son action fixe en France, c'est que béton, béton, béton. On peut bétonner partout. Et béton, ils sont très efficaces par rapport à Koudron. Parce que Koudron, il y a des communes marécagées. Avec des marécages humidités, il y a qu'à Koudron. Mais ce qui m'a bêti béton, c'est des années et des années. Un gouverneur, il avait des possibilités avec l'économie à province en Mbokwe. C'était pour dire que avec nos dirigeants, avec nos gouverneurs de la fois passée, parce qu'on a volonté à faire changer ma solité. C'est aujourd'hui que nous attendons que tout débite. Dans le cas qu'un gouverneur de Tozana Ngobila, incapable, il y a quoi c'est ni ville, province de Kinshasa. Assim, ça coûte le président Bash, et Pau. Ok, le pète, ok, le président Simba, Simba, président Simba, Pau. Mais la ville est très mal propre. Il y a un autre président, le monsieur Lobo, il parle à l'ambocat Daniel Bumba. Il y a un autre Tolingis comme Moutou, Oyo, Azana Vision. Le cas Daniel Bumba. Mais Daniel Bumba, justement, moi je le soutiens. En tant que cadre de base de l'UDPS. Base aussi, Diocasso, base, cadre de base de l'UDPS. Va présenter Bissot Daniel Bumba et pas Fédéron Abissot. Et avec lui, comme il a déjà un projet
y a qu'à surmonter bah, défi pour la ville province de Kinshasa. On le soutient. Et nous voulons la personne qui vient avec le réalisme pour sauver l'honneur de notre province, ville province de Kinshasa, comme capitale la plus sale du monde. Nous voulons moins Tolongona Masolwana. Ngobila n'avait pas la volonté de faire de bonnes choses. Parce qu'il y a outil, Missisana et FCC, c'est PPRD. Ils ne pouvaient pas faire du bon parce que ce qu'a fait la Kango, il y a un changement. Oyo il de pesa pronak changement son excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo mandat koloba yangwana ye mais le président fondateur comme Mobutu Aloba qui n'est pas magicien, il travaille avec des personnes, mais quand vous les autres personnes vous ne voulez pas aller dans le sens il y a logique, sens il y a philosophie, les choses ne tournera pas. Président Kolongo connaissait ça président aya ko kata makambo ya communauté a Kolongo sikira azana présidence aya ko kata makambo ya province. Pourquoi on avait fait une chose, il y a séparation du pouvoir. Là où tu es chef. Développe là où tu es. Mais on a fait un problème autour de la constitution, il y a séparation du pouvoir. Mais vous êtes là, vous ne voulez pas mieux faire parce que ceux qui n'ont servi à Koloba, c'est la mauvaise choix. Il faut au moins dégager tous ces membres. Merci beaucoup, Président. Nathan Diomingue.